La sœur Tsamo Berin. Je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa puissance manifestée dans la vie de mon fils. Mercredi le 13 mai 2024, de retour de l'église, j'ai trouvé mon fils endormi. À l'instant où je suis entré dans la chambre, il s'est réveillé en poussant de grands cris, en ouvrant grandement les yeux et en fixant le plafond de la maison. Et il criait en disant, laissez-moi, laissez ma mère. Il était totalement raide et son visage était défiguré. Voyant cela, ma soeur a couru chercher de l'eau que nous avons puisée ici à l'église. Amen. Amen. Et nous avons versé cette eau sur lui en, en mettant le parfum qui a été oint ici en mars. Et 5 minutes après, mon fils s'est calmé, a repris conscience et a recommencé à parler normalement. Mais les jours qui suivaient, j'ai remarqué que son sommeil était très agité et qu'il transpirait au point de mouiller tout le lit pendant qu'il dormait. C'est alors que le dimanche qui suivait, nous avons pris part au culte ici et on nous a enregistré aux urgences. Papa lui a imposé les mains et l'a déclaré libre. Depuis cet instant jusqu'à aujourd'hui, mon fils se porte parfaitement bien. Il n'est plus oppressé. Il dort comme un bébé. Voilà pourquoi je viens donner gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est quel bébé? Whose baby is that? Ah, la princesse. Ok. Tu es vite. C'est un garçon. Ah non, c'est parce qu'il a porté le sanja. Yes. That's traditional weddings. Traditional attire. You are from which place by the flesh? Nous venons dans, selon la chair. Bamenda. Bamenda. Ay, God bless you. Handsome man, excuse me. Bon garçon, excuse-moi. Ah, dit c'est un garçon, moi je dis que c'est. Quand tu es très beau, c'est ça le problème. Handsome, c'est le problème. Acclame le Seigneur.